Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Bon, hier j'étais dans les boutiques, je ne suis pas sûre que c'était la meilleure des choses à faire étant donné qu'il y avait beaucoup de monde, mais j'ai fait un petit décroché par Yves Rocher. Et là, petite surprise, j'ai trouvé un calendrier de l'Avent, donc de 7 jours qui débute du 27 du coup au 31. Donc il se présente comme ceci, en spirale. Il est très joli. Donc là, il était en promotion au prix de 29,95 €. Donc très intéressant. Parce qu'à la base, il était à 66 euros. 66,65 € me semble-t-il. Donc le voici. Alors, on est le 24, je le sais. Mais j'avais envie de découvrir le produit avec vous. Comme ça, si vous avez un achat de dernière minute à faire pour vos cadeaux de Noël, ben vous êtes toujours à même aujourd'hui d'aller le chercher. Ils avaient encore un petit peu de stock. Allez, c'est parti. Hop, on ouvre le produit. Donc ça se présente comme ceci. Et on va aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en date du 25. Alors, dans un premier temps, on a un vernis à ongles. Le voici. Ensuite, on passe au 26. Un peu plus dur à attraper. On est sur un fard à paupières irisé. Ensuite, le 27. Un crayon colle. Le 28. On est sur un blush. Ensuite, l'inévitable mascara. Obligé pour finaliser un maquillage. Alors, le 30, on est sur un highlighter, mais en crème. Comme ceci. Et enfin, ah, mais voilà, dernier jour, le 31, le rouge à lèvres. Donc là, on a un total look pour créer un make-up tendance pour les fêtes. Alors, ce que je vous propose, ben, c'est qu'on le fasse ensemble. Et maintenant, allez, c'est parti. Je mets ça de côté. Je vais commencer par le teint, oui, parce que, alors, du coup, étant donné que j'avais pas de fond de teint de Yves Rocher, j'en ai pris un. Donc, c'est le Supramat. Donc, ils disent fond de teint 12 heures, zéro brillance. Et bon, on verra si ça tient promesse. Allez, on va commencer à l'appliquer. Ah, j'espère que vous avez fini vos cadeaux, parce qu'à mon avis, aujourd'hui, ça va être la journée la pire au niveau des magasins. Je voulais aussi en profiter, du coup, pour vous faire un petit retour sur ma chaîne. Actuellement, on est à 59 abonnés et je vous remercie à tous pour votre fidélité et que vous êtes abonnés à mon compte. Ça me fait extrêmement plaisir. Bon, le but, je ne vous cache pas, ça serait d'atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année. Donc ça, c'est mon plus grand challenge. Notamment, c'est surtout que j'ai vu qu'il y avait 60% de mes abonnés, pardon, des vues sur mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, mais qui sont des personnes qui regardent mes vidéos fréquemment. Donc, c'est peut-être parce qu'elles oublient d'appuyer sur le petit bouton s'abonner. Donc, mais je vous invite toutes et tous à vous abonner à ma chaîne pour partager des moments de convivialité autour du make-up et du soin. Alors, pour le teint, le fond de teint sent les fleurs. Ils sont très bons. Alors, par contre, en termes de couvrance, on n'est pas sur du zéro défaut, quoi. Il ne tient pas vraiment promesse, parce qu'on voit mes défauts encore à travers le fond de teint.
Voilà, bon. Agréable à poser, par contre, il est fluide, il s'étale bien, il n'est pas collant. Alors ça, c'est étonnant. Enfin, moi, je ne suis pas habituée au fond de teint qui ne colle pas. C'est pour ça que je mets toujours derrière du contouring en poudre. Mais là, celui-ci ne colle pas. Donc, j'ai juste allé finaliser mon teint en camouflant ce qui n'a pas été camouflé par le fond de teint. Je ne vais pas en mettre partout. On poudre bien sa paupière pour que le fard à paupières tienne bien. Surtout que là, si vous souhaitez vous acheter ce coffret, on est sur un fard à paupières irisé. Donc si vous ne voulez pas qu'au fil de la journée ou dans la soirée, le fard à paupières tourne au grain, je vous conseille de bien poudrer votre paupière. Donc je finalise mon contouring. Bon, au moins pour une fois, on voit les étapes du fond de teint ensemble, étant donné que pour la plupart de mes vidéos, je suis déjà préparée au niveau du teint. Voilà. Allez, on ne perd pas de temps. Du coup, on va commencer par le fard à paupières irisé. On est sur un mordoré. Au niveau de la teinte, il appelle, ben voilà, mordoré scintillant. Donc là, on sera que sur une couleur, hein, donc une monocouleur, étant donné qu'il n'y a pas d'autre fard à paupières dans la box. Du coup, on l'applique sur enfin, sur toute la paupière inférieure. D'ailleurs, j'appelle ça une box, mais on est plus sur un calendrier de l'Avent, hein, de 7 jours, court, mais un calendrier de l'Avent. Allez, c'est parti de l'autre côté. Bon, le fard à paupières, quand même, faut en mettre, hein, faut pas hésiter, parce que sinon ça ne marque pas. Donc, il y a un problème de pigmentation dans le fard. Sinon, par contre, au niveau de l'irisé, ben, c'est présent. Donc surtout, comme on n'a qu'un fard, ce qui est important quand vous positionnez votre fard, quand vous repartez du coin externe et vous remontez légèrement, je m'approche pour que vous puissiez voir. À ce niveau-là, au niveau de l'os en fait. Ça sera plus joli de cette façon en remontant du coup légèrement le fard. Et donc on fait la même chose de l'autre côté. Et voici pour ce fard du coup. Je vous le présente comme ceci. Donc il est joli, par contre ce que je trouve de dommage, c'est que ça manque réellement de pigmentation. Donc il faut en prélever plusieurs fois pour atteindre cette teinte-là. Voilà, ensuite, eh ben, on va passer au crayon colle. La même chose de l'autre côté. Ah, autre problème que je vois du coup grâce à ma lumière. Je ne le voyais pas sur un œil, mais je vois sur l'autre. C'est un fard à paupières qui tombe. Ce qui fait que du coup, je me retrouve boule à facettes juste en dessous du regard. Donc ça, c'est pas cool. Il va falloir que j'aille l'estomper. Donc voilà, ça veut dire qu'on n'est pas réellement sur de la qualité en termes des fards à paupières. Donc comme ceci, du coup, bah, je vais aller retirer ce qui est tombé. Hein.
Voilà. Alors, on va voir ce que donne la lighter quand même. Ce liquide, comme je vous dis, je ne suis pas habituée quand c'est liquide. Je vais quand même prendre un pinceau pour pouvoir l'appliquer. Non, pas celui-ci. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tellement de pinceaux. Oh là là. Et je ne cesse d'en acheter, c'est ça le pire. Allez, j'en ai un. Bon. Alors, il est très pigmenté. Beaucoup de paillettes dorées. C'est parti. On va aller le positionner dans le coin interne. Je vais même légèrement le faire revenir à l'intérieur de la paupière. Bon, on le voit un petit peu. Mais c'est pas ouf, hein. Franchement, j'aime pas trop les highlighters liquides, hein. Du coup, on va en mettre sur notre zone lumière juste ici. Bon, il se voit, hein. Ça, c'est pas le souci. Mais pour l'appliquer, je trouve que c'est quand même assez compliqué. Du coup, je n'en mettrai pas ici. Voilà, ça c'est pas possible. Je vous montre au niveau du regard. Donc comme ceci. On va finaliser du coup avec le mascara volume. Alors, grande question, est-ce que ça va vraiment être un mascara volume? On se met bien à la racine du cil et on remonte en faisant un petit mouvement. Bon, je pense qu'avec deux applications, il n'a pas l'air si mal que ça, le mascara. Il sépare bien les cils et je pense qu'au bout de la deuxième application, on aura du volume. On va aller voir ça par la suite. Hop, on en remet. Ouais, le mascara, il est vraiment sympa. Là, je n'ai rien à dire. Je vous le conseille. D'ailleurs, si vous ne souhaitez même que le mascara, je suis allée voir combien. J'ai fait le détail de chaque produit. Le mascara, il n'est pas très cher. Il est à 13,95 € au détail. Ou sinon, profitez du coup du calendrier pour vous faire un look complet pour les fêtes. Et je rappelle, le calendrier, il est à 29,95 €. Il est en promotion actuellement. Le mascara n'est vraiment pas mal du tout. Après, ça fait un joli maquillage, hein, ceci dit. Allez, du coup, place au blush. On va voir ce que donne ce blush. On est au niveau de la teinte sur Rose Capucine. Allez, on prend le pinceau blush. Voyez, après le V, hein, il n'y a pas grand-chose. Bon, on ne le voit pas franchement, le blush, hein. Pareil, par contre, il sent la fleur. Il y a une petite odeur de rose, justement. Bon, le blush, c'est pas fou, hein. Franchement, on ne le voit pas du tout. Là, par contre, je suis pas mal déçue. Bon. Faut en mettre beaucoup avant d'avoir une toute petite teinte.
Voilà, et on va finir du coup notre look avec le rouge à lèvres. Rouge à lèvres très crémeux. Et à la lumière, on voit un petit peu d'iris. On voit qu'il est un petit peu irisé avec des petites paillettes orangées. Donc il est très joli. Après, à voir ce qu'il donne dans la durée. Je suis pas sûre qu'il tienne à longueur de journée. Par contre, il est vraiment très hydratant et très agréable au niveau des lèvres. Voilà pour ce calendrier de 7 jours de chez Yves Rocher. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir les produits qui sont à l'intérieur. Donc voilà, donc il n'en reste pas énormément. Donc tout dépend où vous habitez aussi, hein. S'il vous plaît, je vous conseille d'y aller aujourd'hui pour aller vous l'acheter. Je voulais vous remercier pour votre soutien vraiment du fond du cœur. Merci infiniment. Pensez à vous abonner, à partager ma chaîne si vous le pouvez pour que votre entourage s'abonne. Je lance bientôt un jeu concours, je vous en parle dans ma toute prochaine vidéo. Je voulais vous souhaiter à tous un très bon réveillon pour ce soir. Profitez bien de vos proches. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous mes chouchous.